Eh bien, salut tout le monde, c'est Meuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft pour le dernier épisode de Skyblock. Écoutez, donc cette fois-ci, on a quelques petits challenges qui nous restent à terminer, qui normalement devraient être assez rapides. Donc, il s'agit en premier lieu du slash chez Farmer qu'on va essayer de terminer le plus rapidement possible. Et ensuite, il s'agit du slash chez gâteau, je crois c'est un truc dans le genre, slash c'est pâtissier, pardon. Donc où dans celui-ci, on va devoir juste fabriquer encore 4 gâteaux. Les citrouilles, donc on les a toutes récoltées. Donc alors pour faire un gâteau, il me semble qu'il faut du blé, donc on en a. Il nous faut des œufs, du sucre et du lait. Donc à peu près, on a tout ce qu'il nous faut. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ces petites poules nous claquent des œufs. Ben c'est parfait, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont... Allez, un peu plus. Non, non. Oh, c'est bon, on a 7 œufs, voilà. Bon, alors ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Alors, on va partir faire des gâteaux. Alors, attendez voir. Alors, gâteau. Donc, il me semble que c'est sucre comme ça. Ensuite, il me semble que c'est des trucs de lait, genre là au-dessus. Ah, donc on n'arrive pas à les accumuler, c'est dommage. 3. Et ensuite, les œufs au centre. Voilà, parfait. Donc, et de 1. Donc, on reclaque encore 3 trucs de lait. Et de 2. D'accord. On n'a plus assez de lait. Bon, attendez, on va aller à nouveau chercher une petite vache une fois. La vache du Malabou qui pourra nous donner la puissance de ce que nous attendons tous aujourd'hui. Ça serait donc ici. Donnez-moi du lait! Voilà, j'aime ça. Alors, on va la refaire encore une fois. Sucre. Ok. Ensuite, œufs. Et ensuite, blé en masse. Voilà. 1, 2 et 3. Et là, je crois qu'on a tous les gâteaux qu'il nous faut. Donc, attendez voir 2 secondes. Maintenant, on n'a plus qu'à aller chercher nos gâteaux. Ah là, c'est tout, il y a le bug gâteau de chez Mémé. Voilà, donc là on a 5, et ensuite on termine avec celui-là, donc je crois qu'on a bien 5 gâteaux. Effectivement, donc slash CC pâtissier. Enjoy. Ok, c'est bon. Bon, maintenant slash C, rapidement, donc farmer architect. Bon bah du coup on doit terminer sur le farmer, donc en gros c'est juste récolter des citrouilles, puisque c'est tout ce qui nous manque. Donc là on en a quand même... Oh, 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 une almée s'est levée là, hein. Et l'almée s'est levée, hein, c'est pas trop mal. Bon ben voilà, c'est tout ce qu'on a, on a juste à faire ça. Et après donc pour le dernier challenge, en gros c'est augmenter le level de l'island. Et pour ça donc du coup on va juste acheter des blocs des blocs qui vont coûter assez cheros en pépites, mais qui rapporteront beaucoup de niveaux à notre île. Et ce qui nous permettra du coup de pouvoir tranquillement atteindre le niveau demandé par le challenge. Donc du coup, moi je vais juste prendre ces blocs là et sable des âmes et je vais essayer d'en poser quelque part là en dessous où on va pouvoir par exemple imposer une petite récolte comme par exemple Je pense qu'on va le poser là à côté. Bon, c'est pas très esthétique hein, mais bon écoutez je pense que ça décore toujours. Enfin, ça décore pas, non, mais on en aura toujours besoin, en gros, pour tout ce qui sera enchantement, etc. Donc, c'est toujours ça de prix, de bon, de fait. Et puis, je crois que ça rapporte pas mal de level, les sables des âmes. À moins que c'est la bedrock. La netherrack. Donc, la roche du nether. Il me semble que ça rapporte pas mal. Ou à moins que ce soit même la brique du nether qui rapporte pas mal de trucs. Faudrait que je me renseigne. Et au pire, sinon, bah, on va faire des blocs de diamants et on en pose un peu en mode je pimp my life. Je pimp mon island. Et puis, on n'aura plus qu'à espérer que ça augmente suffisamment le level demandé et requis par la population, hein. Bah oui. Sinon, de l'obsidienne, sachez que ça rapporte mal aussi en termes de blocs. Et je crois pas qu'on en a posé des 1000 et des 100 sur l'île. Alors qu'avant, ici, on avait posé énormément à l'époque. Alors je sais pas si je l'avais record ou non déjà en ce temps là, mais quand j'avais fait le gros machine à mob, on avait mis de l'obsidienne en fait tout autour, on avait encadré d'obsidienne et c'était plutôt pas mal du coup. Alors slash yes level. Ok, island level is 0, c'est pas mal, j'aime bien. Bon du coup je sais pas trop comment on va pouvoir faire pour
augmenter le niveau de l'île. Bon, on va juste retourner à nouveau dans le sous-sol. Là, donc, on va faire un petit peu de... Voilà. Ah oui, d'accord, donc là, en fait, ça pop. Va falloir qu'on mette un petit peu de torche. Ah non, ok, d'accord, il vient de disparaître. Pourquoi pas ? Normalement, en mettant ça, on devrait pouvoir augmenter le niveau de l'île. Enfin, je sais pas. On va faire un petit test. Si j'en posais une, par exemple, là-dessus. Tame. Slash IS level. Ok, slash IS level. 214. Alors, pourquoi ça? Alors, on va en poser un deuxième. Ok, donc faut attendre encore 19 secondes, on verra ça. Parce qu'en gros, si jamais vous n'avez toujours pas compris, on sait jamais. Hein. En gros, quand on pose des blocs sur l'île, ben, ça augmente tout simplement le niveau de l'île. Donc, c'est quelque chose de plutôt simple comme concept. Mais, voilà. Donc après, il y a des blocs qui rapportent 0,5 niveau, par exemple. D'autres qui rapportent encore moins que 0,5. Ou je ne sais plus exactement ce que rapporte exactement chaque bloc. Mais voilà. Donc, il nous manque encore 8 de citrouille. On va falloir être patient. Et sinon, nous, on va un peu pimper notre life avec des diamants. Ok, c'est parti. Moi, je dis, on va acheter du diamant avec tout ça. On va pimper notre life. Alors, slash spawn. Let's go. Alors, ouais, c'est ici. Ah, c'est vrai, je pouvais fly, j'avais oublié. Alors, bloc minerai. Voilà. Alors, on va mettre ça, donc on récupère tout, on va mettre ça, on récupère tout, on va mettre... Voilà, ça fait 18, ok, encore, voilà, ça, encore, ensuite là, voilà, là, ok, ici, ouais, après là, ok, ici, c'est bon. Alors pourquoi je n'arrive pas à... Ok, donc d'accord, tout ne veut pas se stacker. Ça m'embête un petit peu. Alors 64. 64. 64. 13, 17. Et il m'en reste 5. Et du coup ça me fait un beau stack. Slash IS. Normalement il me semble que le bloc de diamant pèse quand même assez cher dans le milieu. Il me semble. Ah, on n'a pas assez. Oh, il nous manque un diamant. Bon, du coup, ça nous fait 7 blocs qu'on va pouvoir imposer un petit peu partout dans l'île. Je pense qu'on va les poser un petit peu en mode... ils sont cachés. Mais moi, ça pimpe un petit peu ma life. Donc, évidemment. J'allais dire, essayer de retrouver les blocs quand vous viendrez sur l'île, parce qu'à la fin de l'épisode, les coordonnées seront dévoilées. Mais effectivement, si vous les voyez en même temps que moi, c'est pas intéressant. En plus, voilà. Bon, moi, on va dire que vous pourrez... t'inquiète ma gueule, faire ton petit passe-temps challenge. Et voilà. On va en mettre un par ici. Sous une trappe. Un peu en mode caché, t'inquiète. Et où est-ce qu'on peut en mettre d'autres? Tiens, là je suis sûr, là dans le sol, là. Tu dois sûrement avoir un truc genre... voilà. Et ensuite un dernier... qu'on peut cacher où? Je suis sûr, sous une petite herbe, là on va pouvoir le cacher, tu vois, ton truc. Genre là, comme ça. Ok. Et ensuite, le dernier, on va pouvoir le mettre. Tiens, j'ai la petite idée. Et veuillez m'excuser. Oh god damn. Et voilà. Au moins maintenant on a caché à peu près nos différents blocs. Et là si on claque un petit slash IS level. 214. Wouhou! Génial! Génial! J'adore! Alors pourquoi est-ce que ça bug comme ça? Le slash IS level. Alors slash C. Slash C. C. Architect. 250. Et nous on est 214. Ok, bon. C'est pas grave. Ce que je vais proposer de faire... c'est effectivement de poser toute mon obsidienne sur ce magnifique Famima Mob, tout là-haut. On va l'entourer. Au moins comme ça, on va pouvoir espérer gagner des niveaux.
C'est ce qu'on espère en tout cas, parce que là c'est un peu la déchéance, il nous manque 40 niveaux, j'espère pas pouvoir devoir lancer un autre épisode de Skyblock uniquement pour compléter quelques niveaux. Donc ce serait peut-être pas mal. Alors. J'avais oublié que c'était long de casser l'obsidienne. En option. Ah oui, en plus quand je bug, c'est pas trop mal, j'aime bien. Jean-Michel, oh. D'accord, c'est bon. Ça a juste lagué. De toute façon, ce côté-là, on le verra pas, sauf ceux qui ont le fly. Donc, c'est pas grave. Ah, je m'en fous, hein. Je considère que personne n'a le fly sur mon IS. Hein. Comme ça, personne verra les petits défauts là de ce contour d'obsidienne. Là, on va tester à nouveau de tâter le niveau de l'île. On verra bien ce que ça vaut. Normalement, on est encore sur l'IS, hein, tout ce qu'on pose. Donc, 242. Ok, on approche, on touche au but. On touche au but. On touche au but, les amis. On touche au but. Alors, attendez voir. Qu'est-ce qu'on peut poser qui rapporte pas mal de. Ça, je crois que ça rapporte pas mal. Alors, venez avec moi dans le sous-sol. On va essayer de faire une petite déco sympathique. Alors, bonjour, vous. Veuillez quitter la place qui ne vous est pas attribuée. Ce qu'on peut faire, c'est faire genre un truc genre comme ça. Et de l'autre côté, on fait la même. Alors bon, là, le problème, c'est qu'effectivement, là, il n'y a que un de côté. Donc du coup, pour la simple et bonne déco, il va falloir qu'on fasse casser ces blocs de sable d'âme et placer de la roche du nether à la place. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'on peut poser d'autres blocs intéressants? Je sais pas trop ce qu'on a comme bloc intéressant, mais je suis sûr qu'il y en a qui est caché là quelque part. Réfléchissons. Ouais. Bon bah là on a quand même. Au pire ce qu'on fait. Attendez voir, je réfléchis. Il me reste combien de pépites? 5. Ok. Slash spawn. Donc on va aller rapidement faire le jump. Comme ça on gagne 12 pépites. On peut faire encore un bloc de diams. Ou bien sinon on va récupérer d'autres blocs. Alors où était le jump? Le jump. Il est là. Ok, c'est bon, ça monte ici. Nickel. Ok, on a 17. Donc, en bloc. Vous m'excusez. Pour le bruit un petit peu désagréable, je suis salement enrhumé. Hein, moi j'en ai en pleine là quand il commence à faire beau, c'est vraiment hallucinant. Nether, donc au pire, on n'a qu'à prendre ça. Il me semble que ça rapporte pas mal en termes de niveau. Donc bon, on verra bien. On va tester. On va poser un petit peu ce bloc là en mode on va faire le contour. Tac. Alors là, il n'y a plus de déco. Hein. Là, c'est pas de la déco, c'est moche. Hein. Mais c'est pour essayer d'augmenter le niveau de l'île. Donc, on verra bien ce que ça vaut. On va tester. Voilà. On va imposer la puissance de la fertilité du Malabou. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce qu'on voulait. Alors, ensuite, il faut juste essayer de proposer une déco. Un minimum esthétique. Donc je vais tester de faire quelque chose de sympa, mais je ne vous promets strictement rien. Donc alors je fais ça comment? Tac, 3 1 2 1 2 3. Ah oui, et donc ah non. 1 2 3. Ah oui, mais le truc en fait c'est que là moi j'ai de la cobble en dessous. Bah si, attends, non. Tac. Et tac. Ok, alors là il y a un problème quelque part. Fais 1 2 3, je monte et là je recule. 1, 2, 3, je monte et je recule. D'accord, j'ai fait comme ça. Ça faisait 1, 2, 1, 2. Ok, nickel. Bon, j'ai un peu galéré. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Ensuite. Ouh, lag FPS! Ouh, lag FPS, j'aime pas ça. Alors, je sais pas si vous arrivez encore à voir avec le peu de luminosité qu'il y a. Je vais chercher des torches. Oh, pourquoi j'ai ce lag FPS là? Non! 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 Et non, je ne veux pas! Je ne. Non! Allez, ok, c'est bon, ça revient.
Ouf, décidément. Alors là, citrouille, il y en a quelques-unes qui ont poussé. Alors, 1, 2, on est donc là, ça fait ensuite 3, 4, 5, 6. Je crois que là, on est bon, on a terminé un challenge, et maintenant, il n'y a plus qu'à augmenter le niveau de l'île. Ok. Donc là, on a 7. On était à 56, je crois. Donc il nous manque une citrouille. Si le compte est bon, je crois qu'il manque une citrouille. Ouais, une citrouille, c'est bien ça. D'accord. Rapidement, j'aimerais juste faire un petit truc comme ça là. 60 barrières. Ah là, bien. En option, si j'ai du bois et du charbon, ok, c'est nickel. Donc là, pareil, on va claquer quelques torches. Voilà, genre 24, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va redescendre dans les bas-fonds, dans la société de notre petite construction, en espérant qu'il n'y ait pas trop de mobs. Non, c'est bon, la personne. Alors, rapidement, on va juste poser ça un petit peu sur au niveau de là, comme ça. Mais ça, je le supprimerai plus tard. Alors. Donc. Ok, donc là il y a juste un petit peu d'herbe qui pousse du côté du Nether, mais bon c'est pas trop grave. Voilà. Donc on fait quelque chose comme ça. Ok, ensuite là ça enferme. Ouais, voilà. Bon, alors là je me faille un petit peu, j'arrive plus à poser mes blocs correctement. Voilà. On fait quelque chose comme ça. Ensuite, on va juste poser un petit bloc qui remonte ici. Voilà. Par là. Voilà. Ok, c'est bon. Va proposer quelque chose comme ça. Au niveau de la déco, c'est pas très recherché, mais bon, ça fait un peu le taf quand même. Voilà. Quelque chose comme ça. Puis voilà, ça fait le petit côté Nether. Ouais, c'est pas trop mal quand même. Après, au pire des cas, ce qu'on peut faire, c'est toujours au niveau de la déco là, dans le sol, on peut toujours après modifier quelques endroits et mettre quelques briques. Ça fait pas de mal toujours. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Alors, est-ce qu'il me reste de la rouge? Non, il me reste pas de la netherrack sur moi, c'est dommage. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis voilà, là, c'est un peu décoré, ça fait un peu le côté. Maintenant, la seule chose qu'on va modifier, c'est juste mettre quelques torches. Et pas mettre une armée de torches en train de pousser là et d'accroître et qui dit on va vous manger! Voilà. Bon, c'est vrai que les torches parlent pas trop, mais bon, on sait jamais. Voilà, quelque chose comme ça. Et une dernière par ici. Et voilà, là ça fait à peu près le job. Donc voilà, on fait ça comme ça. Nickel. Bon, maintenant on va juste chercher notre dernière citrouille. J'espère que l'épisode là il tarde pas trop. Oh, parfait, elle était là, donc nickel. Comme ça, on va pouvoir terminer notre petit challenge. Et donc, de un challenge de terminer encore une fois. Les amis, là, on commence à venir vers la fin de l'épisode Skyblock. Alors, attendez, je récupère tout ça. Alors, slash CC Farmer. Voilà, nickel. Et ensuite, donc, slash IS Level. 42. Putain, il nous manque 8 niveaux, les gens. 8 niveaux. Il nous manque 8 petits niveaux. Comment on fait pour choper ces 8 petits niveaux? C'est pas possible. C'est une blague. On était niveau combien avant ça là? Island level 242. Après avoir posé tout ça. Ah d'accord, les messages sont supprimés. Ok d'accord. Il nous manque 8 niveaux. Je suis un peu deg. Parce que du coup là, il faut vraiment que j'arrête le record. Parce que là, ça fait longtemps qu'on filme quand même. Donc je sais pas trop quoi faire. Pour poser tous nos slash spawn. Et on a 12 pépites. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que ça rapporte beaucoup? Non, je pense pas. Peut-être un bon vieux bloc là comme ça, là en pierre moussue. Il nous manque 8 niveaux, ça nous manquera quand même.
C'est quoi, on va quand même tenter de la pierre moussue pour un peu le niveau que ça vaut. On va voir avec la déco, slash yes, rapidement. On va essayer de poser ça par-ci par-là, là où il y a un petit peu d'eau. Donc genre là. Voilà, et de 1. Ensuite, on va en placer un deuxième par ici. Et de 2. Voilà. Ensuite, là, juste là, celui-là. Et de 3. Donc là, on a déjà un. Et un petit dernier. Donc genre celui-là. Voilà, et de 4. Alors, slash yes level. 242, ça n'a pas bougé, d'accord, on a posé 4 blocs de 3, mais ça n'a pas bougé. Bon. Du coup, la petite chose qu'on va tester, c'est échange 8 diamants contre 32 blocs de psy. Alors, slash TPA Starlex. Alors. Oh, il y a Moïse. Allez, give me le total de 2, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, moi ça me fait 32. Merci beaucoup, l'ami. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer que ça fasse le job. Donc. Voilà, on va poser ça comme ça. Y a plus qu'à espérer que là maintenant ça suffise pour notre challenge parce que sinon ça va me pumpe la, hein? Moi je dis, hein? voilà donc là comme ça fait un petit peu de déco en plus vu d'en dessous. Attention, slash yes level 205. Oh mon dieu, c'est magnifique! Slash CC architect. Attends, voir. Alors slash C, c'est slash CC architect. Et voilà, c'est fini les amis, hein? Attendez, attendez. Ah non, bah non, il y a un des challenges experts. Ah bah non. Ah bah non, ah merde, j'avais pas vu. Oh non! J'avais pas vu! J'avais pas vu! Oh mon dieu! Bon, bah écoutez, moi c'est un truc positif, c'est que la série n'est pas terminée. Bon, je me suis galéré là, pour cet épisode-là à terminer la série, à espérer terminer la série, mais en fait il nous reste 4 challenges encore, les amis. Petite surprise que même moi je n'avais pas remarqué. Donc, du coup, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire, c'est un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Alors, vous abonnez à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, puis sinon on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc, d'ici là, les amis, portez-vous bien, c'était moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!